Salut tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live pour vous présenter trois wallbreaches différentes sur la map. Je pense que vous avez kiffé, je sais pas si vous connaissez. Donc le premier se retrouve dans une station d'essence. Donc à la base on peut rentrer dans les bâtiments pour acheter dans la station d'essence. On peut rentrer pour acheter des encas pour avoir de la vie. Donc là ça se passe à côté du cinéma et du magasin de vêtements, parlons du cimetière. Ouais, si vous voyez un peu, vous regardez sur la map où je suis en train de vous montrer, il vous faut un véhicule haut, donc soit un 4x4 comme ça, une petite camionnette, ou voilà, vous montez sur le côté, vous rentrez, vous sautez en fait sur le côté et voilà, vous rentrez. On peut tirer, mais sauf on peut pas tuer les personnes qui sont dedans, et la personne qui est dehors elle peut vous voir à travers les carreaux, donc c'est assez fun. Ouais. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un magasin où on rentre l'habitude pour acheter des encas, où on peut faire, voilà, on va dire, des courses un peu basiques. C'est vraiment stylé pour se planquer et c'est drôle de se mettre derrière le carreau parce que les gens, s'ils savent pas, ça peut être assez drôle pour, bah, pour dire ouais, on est là, mais voilà, tu peux pas rentrer s'ils connaissent pas. Donc voilà, pour ressortir, bien sûr, il faut mourir. Et du coup, voilà, bah, j'espère vraiment que vous allez vraiment aimer. Donc vous voyez, là, j'essaie de tirer sur la personne qui est de côté, mais on peut pas le tuer. On passe à travers des comptoirs ou je sais pas quoi, des pimeries, et voilà, en fait du coup bah on peut rien faire, on peut pas tirer à travers les murs, ça passe pas les balles. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie du wallbreach, et du coup on se retrouve pour la deuxième partie du wallbreach. C'est dans le désert, direction un peu plus haut que l'aéroport de Trevor. Donc je vais vous montrer juste ici dans une petite maison qui est juste ici au début. Voilà, c'est cette maison là. Vous mettez la voiture comme moi dans les vidéos, donc le pare-choc, l'avant de la voiture contre la porte, vous montez sur le capot et vous escaladez au-dessus de la porte, et vous allez voir le joueur, bah le votre personnage va rentrer, et là vous pouvez tirer à travers les murs. Si vous avez le toit, la tête qui dépasse du toit, vous avez juste à vous décaler un peu et voilà, c'est fait. En fait c'est tout simple. Là je vais m'enlever le mode passif, mais après si les autres me tuent c'est pas grave, bref. Mais vous allez voir, c'est assez cool parce que vous pouvez tirer à travers les murs. Et là, c'est bien pour tuer des gens. Puis même avoir juste la tête qui dépasse, ça peut être assez drôle pour faire peur aux gens. Ou même pour dire, ouah, les gens qui passent en même temps, c'est dire, ouah, comment il a fait et tout. Donc voilà, c'est assez fun. Donc voilà, ça se passe au-dessus de l'aéroport de Trevor. Donc on va se retrouver pour la troisième et dernière partie. On se retrouve pour la troisième partie du wallbreach. Ça se passe dans le port de Los Santos, un petit immeuble qui est juste ici. Donc vous allez juste y aller, bah, soit en véhicule ou donc. Et vous allez voir, c'est juste, il faut monter sur une table, un parasol, et vous rentrez dans l'immeuble. Je sais pas si du monde qui connaît ce wallbreach, à vous de me dire en commentaire. Donc tout simplement, vous faites comme moi sur la vidéo, vous montez par les escaliers, voilà, vous avez juste à grimper. Sur la table ou monter directement sur le parasol, ça dépend. Et si au carreau vous sautez, et si vous avez un parachute, vous avez de la chance de pas mourir, parce que c'est en fait dès qu'on tombe de l'immeuble, on passe à travers, on tombe dans, soit dans l'eau, on apparaît un peu partout. Si on ouvre pas le parachute, on risque de mourir, c'est possible. Voilà, là j'ai pas ouvert le parachute, je sais pas, il a voulu s'ouvrir et après. Donc là on tombe dans l'eau, vous avez vu, on a eu de la chance. Donc oui, j'ai réussi à ouvrir le parachute et on tombe dans l'eau. Donc on traverse vraiment tout, vous avez vu le sable et tout. Et là je voulais vous remonter encore une dernière fois. Vous allez voir, c'est assez fun. Et on traverse vraiment l'eau, voilà, on est dans l'eau en fait. Donc vous refaites pareil, vous avez juste à escalader, vous remontez les marches. Vous sautez sur le petit table ou le parasol, ça dépend en fait, le personnage s'il arrive à monter sur les deux. S'il peut monter sur un seul truc. Vous escaladez la petite fenêtre, vous sautez dedans en fait, et voilà, là on va, je suis tombé, vous avez vu. Ah, je pensais que j'allais mourir, mais non. Vous avez vu, il s'est cogné la tête, il a nagé, et après il a sauté, là on voit de l'eau. Ah, est-ce qu'on va apparaître dans l'eau? Non, même pas, vous voyez, on est apparu donc sur la route, vraiment à côté. C'est vraiment fun, et j'adore vraiment ce wallbreach. Donc voilà, je vous ai présenté trois wallbreach. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres wallbreach sur GTA, bah dites-moi le en commentaire. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye. Bon game à tous, salut, peace.